commencé, comment dire, en 2012, hein, pas 2012, rien. d'accord. Donc on peut dire que ça a bien avancé. Ouais. Et la construction même intérieure, c'est depuis 2013. 2013, d'accord. Et sur le terrain, sur combien de mètres carrés? Bon, je dis le métrage exact, je ne sais pas, mais c'est près de 2 hectares. 2 hectares. Près de 2. Près de 2. Près de 2 Environ hectares. 1,700, 800. Oui. D'accord. C'est quand tu achètes, ils te donnent un métrage et quand tu reviens, on te dit que la route a encore ceci, c'est D'accord, compliqué. bon, c'est Le compliqué. vendeur, pour ses intérêts, te donne un métrage, y compris la superficie qu'il va laisser pour Pour la route et tout le la reste, oui. D'accord. Et combien d'enfants ils sont maintenant? Ok, donc Combien nous allons d'enfants descendre peuvent être là? Pour le moment, nous avons 25 enfants. Ils sont là, il y a d'autres en famille. Pour le moment, nous avons 25 enfants, mais il y a des malades. Il y a des malades. Oui. Combien sont malades? On a environ 5 enfants qui sont malades, mais c'est pour le moment, il y a un qui est véritablement malade. D'accord. Bon, il y a des autres parce que nous avons changé de site. Avant, là où on était, là, on avait des plantations et on projetait l'agriculture, c'est-à-dire l'alimentation des enfants sur les plantes à long terme. D'accord. On plantait des trucs. Ce qui se passe là-bas, alors tu vas m'expliquer. Ça, c'est les lits, n'est-ce pas? Ce sont les lits que nous avons réceptionnés ce matin. Alors, ces lits vont servir à quoi? Les enfants vont se coucher dessus, puisque au préalable, ils se couchaient sur des lits qu'on avait provisoirement. Là, ça, c'est définitif. C'est des lits définitifs et puis adaptés. Parce Adapté. Qu'on peut manipuler. Quand je, si je vous vois bien, c'est vrai que je ne me suis pas encore bien imprégnée, mais je pense qu'il peut. Ça, c'est des lits des garçons. C'est des lits des garçons. Oui. Il s'est déjà installé. Oui, c'est déjà. Est-ce que les garçons ne perdent pas de temps? Donc ils ne perdent pas de temps. Oui. Ils sont impatients. Oui, l'impatient d'entrer chez eux. D'entrer chez eux, voilà. Ouais. Ça serait le chez eux. Ouais. Et ils sont heureux de revenir? Non, pour ça, ils sont avec la torture qu'on a vécue à Bafou. Moi, je pense qu'ils sont très, très heureux de se retrouver dans une salle comme celle-ci. Parce que déjà, là, en moyenne, les puces, les chips là, au pied là, on en retirait par enfant 30, 40, 50. Oui, on avait vu ça. Oui, vous avez vu ça. On a vu ça sur la vidéo. C'était. Ça a dit qu'ils ne sont pas. Ils sont fous. Là derrière, c'est les faux sceptiques? Le niveau, ça va bien, on va augmenter la queue. Oui, on va augmenter. Elles vont servir pour les deux appartements. Oui, il faut beaucoup d'espace. Mais, je disais donc que la plus grosse difficulté que nous rencontrons maintenant est liée à l'eau. Bayangam, dans son ensemble, n'a pas vraiment une adduction, il n'a pas de snack. Ça veut dire que d'eau, on n'a pas d'eau potable. Attends, je Allons-y. En fait, c'est le tas de Sion qui a donné les lits. Et c'est Thomas, papa Thomas de Viticon. Rudy, papa Thomas, papa Rudy, Anya, Yoni et Runa qui ont payé. Que ça arrive ici et ça c'est beaucoup de millions de francs. Donc ils ont payé pour que les lits de l'hôpital arrivent ici. Enfin, avec tout ça, hein. Oui, avec les matelas. Et c'est eux qui ont donné de l'argent pour faire les lits qui sont là-dedans. Oui, les mêmes, la même famille. Les deux, ces deux familles-là, avec ce. Voici le reste des lits en fait. Allez derrière, allez tous derrière, tous derrière, tous derrière. Ceux qui sont arrivés, ils vont derrière, ils vont derrière. Tous ceux qui sont arrivés, ils vont derrière.
C'est moi le primaire. Comment au mieux tous ceux qui sont arrivés au vent derrière. Ne me bousculez pas, ne me bousculez pas, ne me touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, sinon je ne peux pas filmer. Okay. Je m'appelle Asadio Zarlé. Et t'as quel âge ? 13 ans. Et toi ? Dans moi. Tu as quel âge, mon cœur ? Tu sais pas ton âge ? Dis, chérie. Dis, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans. D'accord. Voilà. Et toi ? Brandon. Constantin. Et toi ? Et toi ? Papa. Samira. Et t'as quel âge ? 6 ans. 6 ans. Et toi, là derrière ? Oui. Quel âge ? 10 ans. Quel âge ? 10 ans. Non, attends. Et toi ? Papa. Téléphone. Quel âge ? 10 ans. Allô ? Toi ? Allô ? Quel âge ? Papa, téléphone. 11 ans. 11 ans. Mais allô ? Il est riche. Allô, papa, téléphone. Quel âge ? Rappelez plus tard. Okay. Je vais te rappeler. Donne ton âge, bébé. Et bébé ? Regarde là, regarde ici mon bébé, regarde là. Dis Belvira. Lève ma tête, dis Belvira. Belvira. Quel âge ? Quel âge ? 2 ans. Joyce Caroline. Caroline. Quel âge ? 3 ans. 3 ans. Bravo. Ça va bien. Et toi ? Oui, ça va bien. On est là. Oui, il y a ma femme. 4 ans, c'est bien. Non, et toi ? Princesse. Vanelle. Oui. Vanelle. Regardez là. Quel âge ? 8 ans. C'est bien, mon cœur. Allô, papa. Sandra. Sandra. Maëva. Maëva. Quel âge ? Sandra. Sandra. Quel âge ? Allô, papa. Tu sais pas ton âge. Elle a pas d'âge. Elle a 13 ans. Oui. Allô, 7 ans. Allô, 17 ans. Zadine, qui s'est présenté? D'accord, j'ai pris tout. Je suis maman. Est-ce que j'ai... Attends, j'ai pris tout? Non. Alors. Ange Catalina. Ange Catalina. Allô, papa, téléphone. Quel âge? Je l'ai pris, hein. Déjà. Oui, déjà. Et moi, je suis maman. J'ai, et t'as quel âge ? J'ai plus de 40 ans. Hein? Voilà mon fils, Rochnel. Rochnel ? Oui. T'as quel âge ? Papa, téléphone. T'as pas 15 ans, dit que j'ai 7 ans et demi. Tu vas m'expliquer maintenant comment cette jeune fille est arrivée, pourquoi elle est arrivée, comment vous l'avez trouvée ? C'était un melon. Bon, il y a des choses que je vais ignorer parce que j'ai aussi quelque part un peu oublié. Bien sûr, non, mais juste pour, voilà, bon, pour faire court. Elle était en promenade de melon, elle avait été abandonnée à la naissance par une voisine. D'accord. Et elle a été récupérée par Madame Poulassi qui l'a ramenée chez eux, donc chez les parents. Chez les parents. Oui, elle est rentrée avec elle comme ça. Et ça, c'est un travail qu'elle avait toujours fait. Donc, son travail était de rassembler les enfants. Puisque la jeunesse est partie du papa. Attends, on va attendre. Allô, papa téléphone. Je m'appelle Blaise, 27 ans. Oui, papa. Et tu es arrivé à quel âge ? 0 ans. 0 ans. D'accord. Et tu fais quoi maintenant ? Je fréquente. Allô, papa téléphone. Quelle classe ? Électricité. Et tu fais un BTS ? Non, il va faire BTS dans 4 ans ou 5 ans. Dans d'accord. 4 ans. Donc tu vas être électricien, tu vas pouvoir t'occuper de l'électricité ici. Il a déjà fait, hein ? Il faut dire là que tu as aidé à installer la lumière ici. Tu as fait la lumière ? Le courant là ? Oui, du compteur qui est ici, c'est lui qui a installé. D'accord, très bien ça. Donc on compte sur toi, hein ? Mais oui. Papa Peter, que Dieu te bénisse.
Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Maman Mireille. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Merci. Maman Mireille. Mireille, viens. Que Dieu te bénisse. Oui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Alors explique-moi ce que ça, vous mangez. Un sauce d'arachide. Ça c'est pour qui? C'est le riz avec quoi? Un sauce d'arachide. La sauce cacahuète. Voilà. La sauce cacahuète, ça a l'air bon. Hein? C'est le bon. C'est le bon. Mmh. Oui. C'est là la sauce. Oui, il y a une sauce. Tu veux manger le cacahuète? Le secret c'est dans la sauce, c'est ça? En bas là-bas. Ça va sentir. Oui, ça doit sentir. Alors tu t'appelles comment? Maman. Et tu fais quoi? Je m'occupe des enfants. Et tu t'occupes des enfants? Et toi? Thérèse. Thérèse. Toi aussi tu t'occupes des enfants, tu fais la cuisine? La lessive. La lessive. Et les enfants. Et les enfants. D'accord. Et expliquez-moi comment vous faites la cuisine alors. C'est moi qui suis la cuisine. Alors tu m'expliques alors. Explique-moi comment tu fais. Tout ce qui manque, ce que vous n'avez pas, vous dites qu'on n'a pas, on a assez, on n'a pas assez. Donc, d'abord, tu m'expliques comment tu fais avec le feu. C'est toi qui allumes le feu. Est-ce qu'elle fait le feu qu'il n'y a pas du tout? D'accord. Et donc, tout se passe ici dehors, voilà. Avec le feu. Rien que tu donnes à moi ici. Alors, qu'est-ce qui te manque alors? L'huile qui manque pour le moment. L'huile? Quoi d'autre? Les condiments? Oui. Ok. Thank you.